alternative de Bayard, une alternative du village. On est super content de recevoir les Bayargois et les Bayargoises au sein de notre manade. L'idée, c'est de perpétuer nos traditions, surtout que la jeunesse bayargoise, comme nous à l'époque, apprenne ce que c'est que les traditions camarguaises. Et c'est à travers ces journées-là, pédagogiques au départ, et ensuite festives, qu'on réussira à perpétuer nos traditions. Ben voilà, la fête 2017 à Bayard commence. On est tous les Mario Bros avec notre chef qui va vous mettre un peu au courant de ce qui se passe. Je vous passe le chef. Luigi. Donc voilà, la fête elle vient de commencer. C'est toute une organisation qui s'est prêtée avec toute l'équipe. On est déjà prêts depuis presque une semaine. On est les plus vieux de Bayard et je pense que tous les ans, on se déguise, les gens se régalent et nous on se régale aussi. Et c'est une belle fête. Nous on fait perdurer. Parce qu'on est, on aime la fête et on aime la fête! La fête du coup de Bayard, c'est vraiment partager que ce soit les moments de convivialité entre tous, de tous les âges. C'est aussi partager les traditions, perpétuer les traditions. Bayard, ville taurine, hein, on garde toujours que ce soit dans les arènes, que ce soit les spectacles de rue. Donc voilà, c'est toujours ça. C'est passer de bons moments avec les peñas, les balles avec les orchestres, les DJ. Voilà, c'est vraiment passer du bon temps tous ensemble.
C'est la quatrième année que nous faisons donc la fête à Bayard, qui est très familiale, où il y a beaucoup de gosses. C'est vraiment quelque chose de très très bien. La mairie nous met à disposition une salle des fêtes où à l'intérieur on a un PMA pour mettre les victimes au calme si on en a. Et c'est vraiment agréable de venir travailler à cette fête.